Voilà, normalement, ça y est, on doit être en direct. Donc bonsoir à toutes et tous et bonsoir à toi, Sylvain Duboulet. Bonsoir à tous et toutes, et bonsoir à toi, Stéphane Nicole. On est content de te retrouver. On t'avait eu une première fois, c'était quand? En fin d'année dernière, Oui. à peu près. Et puis pour une première interview. Et puis là, on a décidé de partir sur un sujet qui intéresse beaucoup de monde, l'illusion du risque en amour. Donc ça va être, je pense, très intéressant. Je vais te laisser donc engager sur le sujet et puis après, on fera une partie questions-réponses comme d'habitude. Donc je te laisse y aller. C'est parti. Merci. Bon. Alors, l'illusion du risque en amour. Eh bien, on peut regarder, le dernier mot, c'est amour. Ce mot-là, amour, en fait, n'est pas compris dans le monde que nous connaissons, c'est-à-dire le monde de la séparation. C'est-à-dire que quand on vient s'incarner, quelque part en nous, on est amour, donc on sait très bien ce que c'est. Mais temporairement, on choisit un ego et donc on oublie, c'est le jeu, on oublie la signification de l'amour qui est un état naturel. Et ce qu'on appelle amour, en fait, c'est du marchandage, c'est un besoin de faire plaisir pour être aimé, donc c'est pas de l'amour. Quand on dit par exemple, est-ce qu'un tel ou une telle l'aime toujours, on pose cette question, tout le monde trouverait normal, mais c'est simplement de l'attirance, c'est pas de l'amour. Parce qu'on peut dire qu'effectivement, tout le monde est amour et tout le monde aime tout le monde. En vérité, profondément, on est amour et on sait faire que ça. Mais on est recouvert d'une carapace illusoire, qui est un ego, qui est le sentiment d'être séparé, et cela implique automatiquement des besoins qu'on croit nécessaires pour survivre, en particulier pour que le corps puisse fonctionner, survivre, ce qui est. Effectivement, il fonctionne, sans ça, il n'y aurait pas de jeu. C'est un jeu, J-E-U. Mais dans ce jeu, l'amour, au départ, est caché. Et donc, il n'est pas reconnu. L'ego ne connaît pas l'amour, il ne le reconnaît pas, il ne peut pas. Pourquoi? Il y a une raison très précise, une raison très claire. Qu'est-ce que c'est que l'amour? C'est l'unité de toute chose, c'est l'être, c'est l'existence, c'est la vie, c'est Dieu, c'est la lumière, c'est tout. Tout ce qui est, tout ce qui est éternel et non menacé. Et qu'est-ce qu'est l'ego? C'est une croyance temporaire illusoire de séparation, séparée du tout, séparée de qui on est vraiment. Et donc, ça engendre deux mondes totalement incompatibles. Le monde réel, enfin, ça n'engendre pas le monde réel, il existe, il est éternel et non menacé, il existe, il est, EST. Mais ça engendre l'illusion, la croyance à un monde séparé, à une réalité séparée. C'est la réalité du petit personnage que nous croyons être. C'est un jeu, ce n'est qu'un jeu d'identification à un corps précis, physique, sur une planète, la planète Terre, parce qu'on est tous là. Et donc on s'en occupe. C'est pour ça qu'on peut dire qu'on est 7 milliards ici avec le même but, qui est un but de réveil. Mais au départ, le but, c'était de jouer à la séparation. Et c'est toujours, pour la plupart d'entre nous, de continuer le jeu. C'est pour ça que chacun s'efforce de s'agripper à son ego. Et quand le sujet de ce soir, c'est l'illusion du risque en amour, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'amour, en fait, si vraiment on l'accueille, puisque tout est un, et qu'on a l'impression d'avoir des besoins extérieurs qu'il faut absolument satisfaire, et qu'en fait, il n'y a pas de besoins extérieurs, donc quelque part, ces besoins, on va être obligé de les lâcher. Ça ne veut pas dire qu'on va manquer de quoi que ce soit, physiquement. Ça veut dire que nos croyances vont disparaître. Pourquoi est-ce important? Parce qu'on peut dire, ben, tant pis, il y a des croyances, etc. Non, non, c'est important. C'est fondamental. C'est fondamental pourquoi? Pour nous. Pourquoi? Parce que qu'est-ce que nous voulons? Nous voulons être heureux. Or, nous avons oublié pour nous incarner que nous sommes créateurs en permanence. C'est l'essence de qui nous sommes. Nous sommes qui nous sommes. Et donc, nous sommes toujours en train de créer, c'est-à-dire de créer notre réalité. Présente. La pensée réelle pour le penseur. Le cours en miracles insiste en disant, par exemple, que il n'y a pas de pensée stérile. En anglais, there is no idle thought. Il n'y a pas de pensée sans effet.
Donc, ça a toujours un effet. Et tout le monde fait ça. On ne se rend pas compte. Mais nos pensées ont un effet. Or, le principe de l'incarnation, ça consiste à utiliser deux outils, le corps physique, l'apparence du corps physique, et le temps. Le corps physique, ça nous permet de nous percevoir séparés du reste, tout ce qui n'est pas nous, ce que nous croyons être nous, c'est-à-dire un corps. Et puis le deuxième outil, c'est le temps linéaire, illusoire, imaginé. Et c'est remarquablement imaginé. Ce temps nous permet d'avoir l'impression, l'illusion que nos pensées n'ont pas d'effet. Or, nous sommes créateurs, c'est-à-dire que nous vivons nos croyances. Et nous sommes qui nous sommes. Et l'existence est l'existence. Alors nous voilà avec un jeu qu'on a choisi de jouer, où on a tout fait pour oublier qui nous étions, qui nous sommes. Et donc on arrive comme ça, avec l'impression d'être séparés, l'impression de manquer de tas de choses. Donc on nous apprend, et on apprend la même chose à nos enfants, on apprend à nous à se défendre et à attaquer. Donc on apprend la culpabilité et la peur. Culpabilité par rapport au passé, un passé imaginé, et la peur par rapport à un futur aussi imaginé. Et donc c'est de la survie. C'est de la survie tant bien que mal, et on n'est pas bien. À des moments, on peut être bien. Certains, d'ailleurs, même ont des vies assez paisibles. C'est une vie, d'ailleurs, souvent de repos qui a été choisie pour eux. D'autres peuvent avoir des périodes longues, d'à peu près, où ça va, pendant 5 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans, puis tout d'un coup, ça ne va plus. D'autres, au contraire, c'est très jeune que ça ne va pas. Enfin, bref, chacun a son lot dans un jeu extrêmement complexe. Et donc, le sujet de ce soir, avec tout ça, c'est l'illusion du risque en amour. Donc, voilà. Donc, ce mot « amour », eh bien, il n'est pas reconnu par l'ego. Parce que l'amour, c'est donner-recevoir à l'infini. Donner-recevoir. Je n'ai pas dit donner-prendre, j'ai dit donner-recevoir. La vie, elle n'est que don, don d'elle-même à elle-même. Et donc, quand il y a don, il y a émission de quelque chose et puis réception de quelque chose. Et donc, nous sommes à la fois ce qui donne et ce qui reçoit, parce que nous sommes un, nous sommes tout. Dans le monde de la séparation, le monde illusoire, ce n'est pas comme ça. Si j'ai un gâteau, je le partage en quatre, et je donne une part à chacun, et une cinquième personne arrive, et il n'y a plus de gâteau. Et ça, c'est le monde de la forme, c'est le monde illusoire, c'est le monde de la séparation. Dans le monde réel, qui est un monde de pensée, c'est l'amour, l'amour est pensée, l'amour c'est un état de conscience. Dans ce monde-là, ce qui est partagé augmente. Et d'ailleurs, la pensée, parce que quand elle est partagée, elle augmente. C'est pour ça que des pensées de peur, eh bien, ça augmente les pensées de peur. Des pensées de culpabilité, des projections, ça augmente la culpabilité chez tout le monde. D'ailleurs, ceux qui essaient de dominer les autres, que ce soit à l'échelon interplanétaire ou à l'échelon planétaire, ils jouent sur la peur et la culpabilité. C'est très clair. Ceux qui essaient d'avoir du pouvoir, aussi bien à l'échelon cosmique que l'échelon de la planète, et également l'échelon individuel dans les familles, les groupements, les clubs, partout, c'est la peur qui est utilisée pour arriver à ses fins. Les parents par rapport aux enfants, puis ensuite les enfants, même qui essayent de faire peur aux parents, et puis partout, la peur et la culpabilité, c'est utilisé, c'est projeté. Par quoi ? Par qui ? Par le petit personnage que nous croyons être, qui a peur. Qui se sent menacé. Alors, effectivement, on se rend compte que le petit sujet de ce soir, l'illusion du risque en amour, ce n'est pas une petite chose. Et j'ai bien dit, l'illusion du risque en amour. Et une illusion, c'est ce qui semble vrai. Donc, ça semble être un risque, effectivement. Puisqu'on a choisi le jeu de la séparation, un jeu matériel, un jeu physique, où il semble avoir des besoins extérieurs à satisfaire. Eh bien, si je suis appelé à m'ouvrir vraiment, c'est-à-dire à mettre le féminin au centre de ma vie, je vais tôt ou tard m'apercevoir que je prends des risques. Je pense prendre des risques. Je pense prendre des risques par rapport à quoi ? Par rapport au jeu que j'ai choisi de jouer, par rapport au jeu de la séparation où il semble que j'ai des besoins extérieurs à satisfaire. Il faut que je mange, il faut que j'ai de l'argent. Et puis, j'ai l'impression que je dois
satisfaire des besoins, je dois répondre aux besoins des autres, et donc je me trouve toujours en porte-à-faux avec quelque chose que je ne peux pas faire. Effectivement, le petit être que j'ai choisi d'incarner n'a aucun pouvoir. Aucun pouvoir. Et donc, il essaye de se défendre tant bien que mal. Qu'est-ce qu'on fait quand on veut se défendre? On se ferme, on se protège, on fait des barricades. C'est exactement ce qu'on nous apprend depuis qu'on est petit. Et c'est ce qu'on essaye de l'inculquer aux autres en croyant bien faire. C'est pour ça que le courant miracle va nous dire « Vous ne cessez pour faire le ciel d'utiliser les moyens qui font l'enfer. » Je répète ça indéfiniment, mais c'est très vrai. Partout on croit bien faire, on dit « Oui, mais telle personne avait une bonne intention. » Oui, absolument. Tout le monde croit bien faire, y compris ceux qui prônent la peine de mort, ceux qui votent des guerres, ceux qui construisent des armes nucléaires, ils croient bien faire. Même les gens de la mafia disent « Mais c'est, on veut aider. Il veut aider ben, la famille, puisqu'on est responsable de nos enfants, tout ça. » Ça va très loin. Ça va très loin. Et donc, me voilà avec ce jeu que j'ai choisi de jouer, comme tous mes frères et sœurs. Et dans ce jeu, je sens avoir des besoins criants. Il faut de l'argent, il faut payer mon loyer, Puis il faut quand même que j'ai un peu d'impact, puisqu'on m'a appris que j'ai de la valeur parce que je fais. Donc, il faut que je fasse quelque chose. Mais si je m'ouvre, vraiment, comme dit le courant miracle, tu n'as rien besoin de faire, donc je n'ai rien besoin de faire. Si je ne fais rien, ben me sentir coupable, je vais avoir l'impression qu'on ne m'aime pas, j'ai l'impression que je n'aurai pas de valeur, que je ne vais pas plaire aux gens. Et d'ailleurs, c'est répandu d'une manière extraordinaire. Même dans les groupes spirituels, vous entendez dire, mais telle personne, elle est formidable, elle a fait ça, elle soigne gratuitement, ça ne veut rien dire. Qu'est-ce que ça veut dire, soigner gratuitement? Ah mais non, parce que c'est il ne faut pas faire payer, parce que ça y est, on donne une valeur, on est là, on n'est pas clair avec cette notion d'abondance, cette notion de donner-recevoir. Mais quand j'arrive et que j'avais vraiment, que je lâche toutes mes attentes, et que j'arrive le cœur ouvert, et donc je donne et je reçois à l'infini. Parce que, comme dit le courant miracle, n'oublie jamais que tu ne rencontres personne d'autre que toi-même. Donc, quand je donne quelque chose, c'est à moi que je le donne. Et quand je reçois quelque chose, c'est de moi que je le reçois. Nous sommes la source de tout. Nous sommes la source de notre expérience. Je répète, nous sommes la source de notre expérience. Et si nous vivons une expérience dans laquelle il semble manquer de l'argent, manquer l'amour des autres, on entend dire souvent, par exemple, ben, « j'ai beaucoup donné, puis je ne reçois pas grand-chose en retour », tout ça, c'est une erreur, c'est une illusion. C'est moi qui ai choisi cette expérience, exactement comme elle se déroule. Pas le petit personnage que je crois être, mais c'est moi qui ai choisi cette expérience au niveau christique, c'est-à-dire au niveau de l'être profond que je suis, au niveau de l'être divin que je suis, l'être de lumière que je suis, que nous sommes tous, quelle que soit l'apparence du corps. Quelle que soit l'apparence du corps, ça n'a rien à voir avec un corps masculin ou féminin, ça n'a rien à voir avec l'âge, avec un bébé ou un vieillard, ou un adolescent ou un adulte, ça a à voir avec l'être que nous sommes, qui n'est pas le corps. Mais nous voilà effectivement 7 milliards ici, de frères et sœurs, sur cette planète, et on a tous choisi le jeu de la séparation. Au départ, avec un enthousiasme extraordinaire, parce qu'au départ, à cause de qui nous sommes, il n'y a pas de faille, il n'y a que pureté, il n'y a que lumière. Donc, forcément, au départ, nous choisissons le jeu en pleine connaissance de cause. En pleine connaissance de cause. Et là, je prends la responsabilité de mon expérience. C'est ça que ça veut dire, la responsabilité. Ça veut dire que je suis coupable, ça veut dire que c'est moi qui l'ai choisi. Alors, ça peut me faire peur, je ne veux pas le voir, c'est possible. Seulement, ce qui semble me faire peur, finalement, c'est ce qui me sauve. Parce que si je l'ai choisi, si j'ai choisi ce jeu, c'est que je suis hyper puissant, c'est que je peux choisir de changer le jeu. Et le jeu a deux buts, effectivement. Le premier but, c'est la séparation. Deuxième but, le terrain de jeu dans lequel on est, la planète Terre, là, ça va être un terrain d'expression d'amour. Où par l'expression d'amour, par le donner-recevoir en amour qu'on va faire les uns les autres, on va se réveiller ensemble à l'amour, parce qu'on va exprimer l'amour, vivre l'amour, et donc retrouver la mémoire de l'amour que nous sommes. C'est exactement ça.
C'est exactement ça qui se passe quand on parle d'éveil. Ben c'est ça l'éveil. Qu'est-ce que c'est que l'éveil? C'est un état de conscience. C'est la vision que tout est un. C'est la vision de qui nous sommes vraiment. Et que, qui nous avons toujours été. Donc dans l'éveil, il n'y a rien de nouveau. C'est pour ça que quand on peut dire qu'on a une expérience d'éveil, ben on ne voit que des éveillés, bien sûr. Donc il n'y a pas un personnage éveillé, il n'y a pas de personnage. Il n'y a que l'un que nous sommes. Et donc voilà. Donc l'illusion de l'action d'amour, c'est une illusion parce que, mais elle semble, on semble risquer quelque chose quand on s'ouvre. Mais qu'est-ce qui risque? Le personnage. On risque de perdre nos croyances. On risque de perdre les stratégies auxquelles on croit. On risque de perdre les stratégies auxquelles on croit. D'ailleurs, le cours en miracle dit, qu'est-ce que ça va vous coûter tout ça? Tout. Ça va tout vous coûter. Alors évidemment, ça peut faire peur. Enfin, on va doucement. Ça va tout vous coûter. Mais vous allez vous apercevoir que ce tout n'était rien. Rien, rien du tout. Mais vous allez vous apercevoir dans une expérience, votre expérience. On dit, mais Sylvain, mais comment je fais? Ah, eh bien, en laissant l'esprit me conduire. Mais l'esprit nous conduit toujours. Seulement l'esprit, c'est nous. Et donc l'esprit ne va pas contre nous. Il ne va pas contre le jeu de l'ego. Donc il y a un paradoxe formidable avec un jeu qui est joué, où l'esprit autorise le jeu à l'infini, et en même temps l'esprit va se servir du jeu pour ramener tout le monde à la maison. Et c'est moi l'esprit. Mais le vrai, c'est ce que Jésus appelle le Christ dans le Coran Miracle. C'est qui nous sommes vraiment. C'est l'être de lumière que nous sommes. Que nous sommes, qui est un archange, un ange, n'importe qui, n'importe quel être. Parce que tout est un. Alors quand on va dire oui, mais un animal, etc. En fait, c'est la force de vie. Il n'y a qu'une seule force de vie. Et nous n'avons pas les mots pour parler de ça parce que nous sommes dans une expérience très précise, très étriquée, l'expérience humaine. Et souvent, et on est appelé à justement passer au-delà des mots, simplement en accueillant l'expérience que nous vivons, c'est tout. En accueillant dans l'amour. Alors donc, pourquoi est-ce que c'est illusoire? Parce qu'en fait, nous sommes amour. Et qu'on a l'impression qu'on va perdre quelque chose, mais en fait, comme dit le courant miracle à la leçon 135, tout est soigneusement pris en charge. Cette leçon 135, vers les trois quarts, dit la phrase suivante. Que ne pourrais-tu accepter si seulement tu savais que tout événement passé, présent et futur est planifié avec amour et bienveillance, par l'un, par le tout qui est amour, hein, dont le seul but est ton bien et le bien de tous. C'est pour ça que tous les problèmes que vous pouvez rencontrer, n'importe quoi, sachez que, et sachons que nous ne pouvons pas les résoudre avec notre mental, avec le petit personnage que nous croyons être. Ce petit personnage n'a aucun contrôle et aucun pouvoir. En revanche, tout problème, toute question qui est offerte au Saint-Esprit, à l'esprit d'amour, est toujours résolu au bénéfice de toutes les parties concernées. Probablement pas à la façon dont le petit ego que je suis pense que ça devrait être résolu. Par exemple, j'ai un problème financier dans ma famille, mettons, il y a des discussions sur un héritage, je ne sais pas quoi, j'ai l'impression que ça devrait être résolu de telle ou telle façon. Non, j'arrête ça. Et à chaque fois que j'ai une question qui se pose, je dis, j'offre ça à l'esprit, que cela soit résolu pour le meilleur des intérêts de tous. Par exemple, nous sommes ici ce soir ensemble sur cette vibra-conférence avec Stéphane et puis vous qui êtes là. Qu'est-ce qui m'est venu de faire avant? Simplement une intention. Quelle est cette intention? J'émets l'intention que chacun, chaque personne qui va être là et chaque personne qui va ensuite entendre l'enregistrement et l'écouter, j'ai mis l'intention que chacun reçoit la vibration qui lui convient le mieux au moment où il écoute ou regarde cette vibra-conférence. C'est tout. Voilà, c'est fait. Et c'est valable pour tout. C'est valable pour tout. Et donc, je reviens au sujet de ce soir, l'illusion du risque en amour.
J'ai bien dit qu'il semble y avoir des risques. Il semble y avoir des risques, seulement, observons bien, ces risques semblent être pour qui? Pour le petit personnage. Pas pour l'être que nous sommes. L'âme, parce que j'emploie le mot âme, qui n'est jamais dans le courant miracle, mais l'âme, elle, elle est toujours en réjouissance. Et elle veut faire des expériences. Et elle a voulu faire cette expérience de séparation, avec joie. Et cette âme, c'est vous, c'est qui nous sommes vraiment, c'est notre vraie réalité. Et alors voilà dans cette expérience le paradoxe, c'est qu'on plonge dans ce monde étriqué et on a l'impression d'avoir énormément de risques. Mais risque quoi? Qu'est-ce que c'est qu'un risque? Ah, justement de quoi on parle? Qu'est-ce que c'est que le risque? Un risque, je vais perdre quelque chose, je risque ma vie, je vais perdre. Je risque ma fortune, je risque l'amour de l'autre, donc je vais perdre. C'est ça le risque. Oui, mais j'ai oublié qui je suis. J'ai oublié que tout est un. Donc je suis tout. Et j'ai tout. Ah oui, mais j'ai choisi justement l'inverse de tout ça. Le petit personnage séparé. Alors c'est pour ça que c'est si important de choisir qu'est-ce que je veux servir. C'est pour ça que même dans la vie, par exemple, est-ce que vous voulez servir Dieu ou maman? Ça veut dire, est-ce que vous voulez ce qui est vrai ou est-ce que vous voulez l'illusion de l'ego? C'est tout. C'est ça que ça veut dire. Donc toutes ces choses un petit peu redondantes, enfin, avec des termes un peu bibliques ou un peu sacrés, un peu ésotériques, relativisons. On parle de choses concrètes qui nous concernent dans notre vie de tous les jours, quand on est en train de faire frire des pommes de terre, quand on est en train d'attendre l'autobus ou d'emmener ses enfants à l'école, ou de faire n'importe quoi. Ou de diriger une société, au contraire d'être un subalterne quelque part. Parce que tout ça, c'est de la fumée, c'est rien, c'est juste un rôle temporaire dans une incarnation particulière. Alors ce risque, eh bien le risque c'est je vais perdre. Ah oui, mais qui va perdre? Le personnage. Évidemment le personnage, il a aucun contrôle, donc il est déjà perdu. Il est déjà d'ailleurs virtuellement mort, puisque le corps va s'arrêter. Quelque part c'est pour ça que c'est de la survie tout le temps. Alors on ne parle pas de la mort parce que c'est terrifiant. Parce que quand on croit au personnage, forcément, on sait que ça va s'arrêter, ce personnage. Comme on croit être le personnage, quelque part, on sait très bien que le personnage, tôt ou tard, va arrêter de fonctionner, c'est-à-dire le corps va s'arrêter, il va y avoir mort physique, et donc je vais disparaître. Et je suis terrifié. C'est pour ça que la plus grande peur qu'on a, c'est la peur de la mort, avec la vision de la séparation. Et ça, c'est justement le jeu qu'on a choisi de jouer, c'est cette vision de séparation. Et effectivement, et le jeu est tellement bien joué qu'on est enfermé dedans et que c'est tellement bien fait que c'est comme si on ne pouvait plus s'en sortir. La seule façon de s'en sortir, c'est justement l'amour. Et de regarder ce qui me semble être des risques partout, parce que ça semble risqué partout, c'est ce que d'ailleurs vont me dire les autres. Souvent on me dit, oui, mais mes amis me disent que je devrais faire ceci, cela, de faire attention à ceci, cela. Quand moi je prends ma voiture, on me dit sois prudent sur la route, je dis écoutez, occupez-vous de vos oignons. Moi je m'occupe de moi parce que moi, c'est à moi de voir que vous êtes pris en charge. D'un côté, je comprends très bien ça. Je dis oui, je comprends ce que vous dites. Mais ça ne me touche pas. Vous voulez m'aider? Voyez-moi heureux. Vous voulez m'aider? Voyez-moi dans la lumière. Voyez vraiment qui je suis. C'est ça, bénir quelqu'un. C'est redonner à l'autre qui il est. La puissance infinie qu'il est. Donc si c'est une puissance infinie, il n'y a aucun risque. Personne ne risque rien. Vos enfants ne risquent rien. Votre conjoint, votre compagne, ce que vous voulez, ne risque rien. Non, ça ne risque rien. Ça semble risqué. On dit oui, mais d'accord, mais tu vois pas non, les gens qui pleurent, là, qui crient, qui sont pas heureux. Oui, c'est justement. C'est pour ça qu'on est venu ici. On est venu par compassion. Pour aider à, disons, à adoucir les choses, à les rendre plus fluides, plus joyeuses, avec des guérisons, des miracles, des changements de perception profonds. On est venu
on est venu contribuer à ça. Donc la souffrance apparente n'est pas niée jamais, même si elle est illusoire. Elle est vécue comme réelle, donc on s'en occupe. C'est pour ça qu'on est là ensemble ce soir, par exemple. Voilà. Donc voilà ce qu'on peut dire, on peut continuer longtemps comme ça. Je propose, si tu veux Stéphane, qu'on passe aux questions. Oui, merci beaucoup. Merci beaucoup et merci à toutes les personnes qui nous suivent. Donc vous pouvez y aller, vous pouvez poser toutes les questions qui vous passent par la tête. On est là pour ça ce soir. Donc je vais commencer avec la première question, une question de Louise qui nous dit « Bonsoir à vous tous. Oui, l'ouverture à l'amour fait peur. Peur de ne pas être respecté, peur de blesser, peur des complications. Tout semble tellement compliqué dans la relation à soi, à l'autre, à la vie. Difficile de faire évoluer le regard. Merci. » Oui, alors effectivement, là, je viens déjà d'en parler, mais je vais encore le redire. On ne sait pas le faire. Donc effectivement, quand le cours en miracle me dit « tu n'as rien besoin de faire », eh bien, on ne sait pas. Les autres, on les attend, c'est vrai. Qu'est-ce qu'on va dire aux autres? On ne sait pas. C'est pour ça que se dire tous les matins, et même dans la journée, à tout instant, guide-moi. Et si j'ai quelque chose à dire, tu vas me le dire. C'est pour ça que souvent je cite, pour ceux qui ont le cours en miracle, à la page 30 du texte, ces fameuses cinq phrases. La première, c'est je ne suis ici que pour aider véritablement. La deuxième, je suis ici pour représenter celui qui m'a envoyé, avec un C majuscule. Et la troisième, je n'ai pas à me soucier de ce que je vais dire ni de ce que je vais faire, car celui qui m'a envoyé va me diriger. Ça veut dire, je suis dirigé à tout instant. Donc j'ai cette confiance qu'à tout instant, l'esprit d'amour que je suis, que nous sommes tous, et que sont les autres aussi, bien sûr, c'est très important, il nous dirige. Donc toutes les relations que j'ai avec tout le monde, c'est soigneusement guidé par l'esprit. Donc j'ai l'impression que les autres ont des attentes. J'ai l'impression que je ne sais pas ce que je vais dire à mes enfants, à mon conjoint, à ma banquière ou à je ne sais pas qui, ce que vous voulez, n'importe qui. Mais je n'ai pas à me soucier de ce que je vais dire ni de ce que je vais faire, car celui qui m'a envoyé va me diriger. Et ça, c'est absolu. C'est ça la confiance. Et vous pouvez remarquer à propos de confiance que tous les messages qu'on reçoit, même dans la Bible, partout, dans tous les écrits un peu sérieux, parle de confiance. Ayez confiance, n'ayez pas peur, ayez confiance. Si c'est dit et redit comme ça des milliers, des millions de fois, c'est parce que ce n'est pas évident. C'est parce que, effectivement, le jeu de l'ego, par définition, induit la peur et la culpabilité. Et quand on a peur, on n'a pas confiance. Et le cours en miracle nous dit la phrase suivante. La présence de la peur est le signe certain que tu comptes sur tes propres forces, les forces du petit personnage que tu crois être. Ça, c'est nul. Mais tu es accompagné par la puissance divine que tu es, mais tu l'as oublié, tu as fait exprès de l'oublier. Raccroche-toi à cette puissance divine et confiance en elle, et tu vas voir, tu vas observer des miracles, tu vas observer des choses inattendues, tu vas t'émerveiller. Voilà. Donc ça, c'est très important. Voilà pour cette question. Merci beaucoup et merci Louise pour la question. Question suivante, une question de Juliette qui nous dit « Bonsoir, le libre arbitre est-il une illusion selon vous? Qu'en est-il de la responsabilité à l'instant présent si le jeu a été planifié à l'avance dans un schéma qui nous dépasse? Merci. » Qu'est-ce que c'est que le libre arbitre? Dans l'introduction des cours, il parle d'une volonté libre, « the free will » en anglais, mais c'est la volonté, en fait c'est le libre arbitre. Bon, le libre arbitre, ce qui est si difficile pour la plupart d'entre nous, c'est qu'on croit être le personnage et qu'on a l'impression qu'on veut des choses dans la forme. Alors on fait la loi d'attraction, on fait la loi de manifestation et puis j'essaie de me créer une Jaguar ou une belle voiture, une belle maison et puis ou une nouvelle relation. Puis ça ne marche pas, ou ça marche plus ou moins mal, ou ça marche un peu, puis ça, tôt ou tard, ça ne marche pas. Parce qu'en fait, le libre arbitre, c'est un libre arbitre. Le choix de vision, c'est un libre arbitre en conscience. C'est qu'est-ce que je veux voir? Qu'est-ce que je veux vraiment? Donc, si je veux une forme particulière, par manque, je crée ce manque. C'est pour ça que ça ne marche pas, la loi d'attraction avec ce regard-là. Si je me dis, il me faut absolument de l'argent, ça y est, c'est que je me vois manquer d'argent.
Alors on peut dire, oui, mais tout le monde se voit manquer d'argent, enfin beaucoup de gens, ou manquer de relations, etc. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Alors le libre arbitre dans tout ça. Le libre arbitre, c'est la seule chose où j'ai le contrôle, c'est sur ce que je veux, c'est mon intention. Le libre arbitre se place uniquement sur l'intention. Et l'intention quand? Ben, dans l'instant présent, puisqu'on ne vit que le présent. Donc c'est extrêmement simple. Et il n'y a aucune exception. Quelle que soit l'apparence du problème, de la difficulté, de la situation, j'ai le libre arbitre dans l'instant présent de choisir quelle est mon intention maintenant. Quelle intention? Ben, écoute, j'ai envie de bien faire, oui, ok. Mais je vais bien faire comment? Vous ne cessez de faire le ciel en utilisant les moyens qui font l'enfer. Parce que vous n'avez pas vu que vous créez et que vous avez peur, donc vous créez avec votre peur. Et c'est comme un ver dans la pomme. Vous pouvez faire un projet magnifique, mais si c'est pour essayer de lutter contre quelque chose, vous créez ce contre quoi vous luttez. Donc tôt ou tard, ça va pourrir, ça ne va pas aller. C'est fort, hein? Donc quand on voit ça, on se dit, mais comment est-ce que le monde est encore debout? Parce que comme tout le monde est là, alors c'est là qu'on s'aperçoit qu'on est quand même assisté, et qu'il y a un filet derrière tout ça, et qu'il y a un libre arbitre qui est énorme, qui est joué à un échelon énorme, mais quand même protégé. Tout ça, d'ailleurs, la planète aurait sauté depuis longtemps, si ce n'était pas hyper protégé. Mais quand même dans un jeu très fort. Le libre arbitre est quand même extrêmement fort ici, c'est pour ça qu'on dit que cette planète est expérimentale. Et Crillon, d'ailleurs, en parle en disant que, par exemple, pour les attentats du 11 septembre 2001, il dit, vous avez tous été d'accord pour ces attentats. C'est tout ce qu'il dit. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez tous été d'accord pour le jeu de l'ego, avec effectivement ce qui pouvait. Eh bien, il n'y a qu'à regarder. Et donc la question, c'est ne cherchons pas à arrêter ce jeu, cherchons à le voir différemment. C'est pour ça qu'on dit, au lieu d'essayer de changer le monde, change plutôt la vision que tu en as. Et donc, alors, mais comment je vais faire? Je vais demander à l'esprit de changer ma vision. L'esprit, il est en paix. On imagine un grand maître, il dit, je vous apporte ma paix. Jésus dit ça, je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix. Oui, mais c'est très bien que ça, que la, pour la plupart des gens, c'est le chaos ici. Pourtant, il dit, je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix. Mais il se fout de nous, ou alors c'est moi, je n'ai pas compris. Ben, effectivement, c'est que je n'ai pas compris. Je n'ai pas compris que tout va bien à cause de qui on est. Donc c'est ça que je choisis. Et c'est là qu'il y a le libre arbitre. Il est là, il est dans ce choix. Je choisis la vérité par rapport à l'illusion. C'est comme Michael, tu sais, on a vu ça à Carcassonne il y a pendant 2 jours, pour ceux qui étaient là, parce qu'il y en a ce soir, il y en a pas mal qui étaient là à Carcassonne pendant samedi, dimanche dernier. Michael et son épée qui tranchent le vrai du faux. Et ça devient très important. Maintenant, on nous dit, écoutez, ceux qui se réveillent sur la planète, c'est ceux qui veulent le vrai. C'est qui veulent voir que l'illusion, c'est une illusion. Qui veulent voir l'illusion en tant qu'illusion. Qui veulent voir qu'ils rêvent. Et celui qui sait qu'il rêve, il est réveillé quelque part. Bien qu'il dise, je continue à rêver. Mais au moins, il est conscient. C'est très important, ça. Il est conscient de quoi? Ben, que la réalité, c'est l'amour. Et donc, il ne sait pas le faire. Donc, il demande de l'aide. Voilà. Aide-moi. Viens. Qu'est-ce que dit Dieu? Dieu dit, laisse-moi faire ce que je t'ai donné à faire. C'est quand même fort. Laisse-moi faire ce que je t'ai donné à faire. Et quand Jésus disait, c'est dans les évangiles, c'est connu, de moi-même, je ne fais rien, c'est le Père en moi qui fait les œuvres. Et il dit, le Père et moi, nous sommes un. Bon, alors, le Père et moi, nous sommes un, très bien, tout est un, d'accord? Puis en même temps, il dit, de moi-même, je ne fais rien. Ça veut dire le petit Jésus, comme on dit. C'est le petit Jésus, il ne sait rien faire. De moi-même, je ne fais rien. C'est le Père en moi qui fait les œuvres. Donc, il est tout le temps en réception de ça, qui danse dans l'instant. N'oublions pas qu'on est dans l'instant, que dans l'instant. Et donc, à chaque instant, quel que soit ce qui apparaît, la difficulté, tout ce que vous voulez, cette situation est prise en charge par l'esprit. Elle est exactement à sa place comme elle doit être. Je demande de l'aide et je laisse l'esprit me guider. Il ne m'occupe pas de changer les autres. Donc, c'est là qu'est le libre arbitre. C'est dans le choix de la vérité par rapport à l'illusion. Si ça peut être clair ce soir, plus clair, beaucoup plus clair pour certains d'entre vous, et bien tant mieux, on aura beaucoup gagné.
Voilà, merci pour la question. Ça, c'est sûr, c'est une question qui revient souvent. Merci beaucoup et merci Juliette de l'avoir posée. Question suivante, une question d'Annick qui nous dit, Sylvain, vous dites de s'adresser à l'esprit et lui dire guide-moi et comment savoir que j'entends son message? Alors encore, cette question, j'en ai tout le temps, je la comprends très bien, c'est normal. Eh bien, l'esprit sait très bien ce qu'on a joué, qu'on a joué la séparation. Et donc, on ne veut pas entendre quelque part. Parce que si on voulait vraiment entendre, on l'entendrait. Donc, on ne veut pas, il y a une fermeture, il y a une peur, une culpabilité, une peur. L'esprit le sait. Donc, quand je demande à l'esprit de me guider, je demande à l'esprit de me guider, et l'esprit sait très bien que j'ai une partie en moi qui ne veut pas être guidée, une partie qui veut être guidée. Et l'esprit dit, OK, ce qui m'importe, c'est ton intention. Tu m'as dit, je veux te guider. OK, je te guide. Et donc à ce moment-là, ne t'inquiète pas. Ne te fais pas de soucis par rapport au fait de savoir si tu entends la voix de l'esprit ou la voix de l'ego. Fais ce que tu sens dans l'instant. Tu as envie d'aller dans la rue, te promener? Vas-y. Tu as envie de dormir? Dors. Tu as envie de téléphoner à quelqu'un? Téléphone. Vas-y. Fais ce que tu sens. Fais ce que tu sens. Commence pas à te torturer l'esprit, le mental avec est-ce que c'est bien l'ego ou le Saint-Esprit? Tu ne peux pas savoir. Fais-moi confiance. Fais-moi confiance. Je te guide. Je sais très bien que tu as des blocages. Je sais très bien que ça fait des éons que tu joues à la séparation. Et donc tu as des fausses croyances et elles sont un engagement. Le cube dit l'esprit. Ne t'inquiète pas. Je te guide. Tu veux quoi? Fais ce que tu sens. Fais ce que tu sens. Fais ce que tu sens. Eh bien, ça a l'air de rien, mais je vous assure que faire ce qu'on sent vraiment, quelle paix extraordinaire! Quelle paix! Et quand le cours nous dit, par exemple, tu n'as rien besoin de faire, you need to do nothing, tu n'as rien besoin de faire, c'est fort. Donc, je n'ai pas besoin de ne pas faire quelque chose. Ça va loin, hein, si vous méditez ça, pour tout ce que vous pouvez vivre dans votre vie, avec votre relation, avec le système social, avec vos proches, avec qui vous voulez, tu n'as rien besoin de faire. Fais ce que tu sens. Vous venez de voir, vous êtes parfaitement guidé. Et que les questions, oui, mais alors à ce moment-là, on ne paye pas ses impôts, on fait n'importe quoi sur la route, ou on boit n'importe quoi, non, vous venez de voir. Si vous êtes super bien guidé, vous dites, non, je n'ai pas envie de faire ça. Non, je ne sens pas de faire ça. Et puis vous allez voir, ah tiens, c'est drôle, j'ai changé, je fais ceci, cela. Ça devient votre expérience. Parce que l'esprit vous mène avec énormément de douceur, une intelligence infinie. Alors, quand on est là avec l'ego à dire oui, mais dans telle circonstance, qu'est-ce que je vais faire? J'en sais rien. J'ai confiance, je verrai. Donc je ne pars pas avec des stratégies a priori. Ce que je suis en train de dire là, ça semble aller contre la plupart des livres qui sortent, qui proposent des stratégies. Je le sais. C'est OK. Il faut un certain travail. Ça aide certaines personnes. Il y a une invitation quand vous avez une certaine stratégie qui vous aide. D'abord, savoir dire merci. Ah, tiens, ça m'a rendu service. Je ne cherche pas à l'inculquer aux autres. Je peux dire, tiens, voilà ce que j'ai fait. Voilà, moi, ça m'a aidé. Si ça vous aide, tant mieux. Mais je ne cherche pas à changer les autres. Et deuxième chose, je ne reste pas prisonnier dans ma stratégie. Je peux changer du jour au lendemain. C'est-à-dire que si je décide de faire un régime, je décide d'instant en instant. Et si tout d'un coup je sens ne plus le faire, je ne le fais plus. Quelquefois, d'ailleurs, je peux dire, tiens, je vais faire ça pendant un jour ou deux, puis je le fais pendant 10 ans. Ou au contraire, je vais dire, tiens, je vais faire ce truc-là, et puis le lendemain, j'arrête. C'est excellent. Parce que dans l'instant, je fais ce que je sens. Et comme je n'ai rien besoin de faire, j'arrête de me culpabiliser ou de me dire j'aurais dû. Donc les j'aurais dû, je devrais, ou ça serait mieux si, ça, terminé ça. On laisse ça au vestiaire. Aussi bien pour nous-mêmes que pour les autres. Et quand on entend les autres le dire ou le vivre, on comprend très bien. On est OK. Mais quelque part, on ne rentre pas dans ce jeu-là. Parce que ça n'apporte rien. Parce que c'est encore créer de la séparation, c'est créer de l'opposition. Et c'est créer des conflits et de la souffrance. C'est pour ça crée de la souffrance, c'est tout, on n'en veut pas. Personne ne veut souffrir, personne ne veut de la souffrance, c'est évident. C'est aussi simple que ça. Merci pour la question. Merci beaucoup et merci pour la question, Annick. Question suivante. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions. Question suivante de David qui nous dit: Bonsoir Sylvain et Stéphane, je vis mal l'illusion du manque
et de la séparation actuellement, étant sans emploi, vivant complètement seul. Aujourd'hui, je me demande comment rebondir, même si vous le dites, seule la foi me tient. Bon, Stéphane, t'es pas seul, on est tous dedans dans le même bain, hein, on comprend très bien cette question. Alors, on est dans l'instant présent, Stéphane. Tu es toujours dans l'instant présent, comme tout le monde. Donc, tu vois, c'est vraiment dans l'instant présent que ça se passe. Et c'est toujours dans l'instant présent, donc tu peux toujours rechoisir. Donc, parce que ton ego va te rattraper, oui, mais ça fait des années que je fais ça, et puis j'aurais dû faire ça il y a 3 jours, ou il y a l'année dernière, j'ai raté une occasion, etc. Oui, l'ego est très malin pour ça. Mais n'oublie pas qui est avec toi, l'esprit. Et tu peux choisir dans l'instant présent. Et dans l'instant présent, c'est l'instant présent. Dès que tu te dis, mais ça fait 10 ans que ça dure, ça y est, t'es plus dans l'instant présent. Même si tu dis, hier j'ai raté quelque chose, j'aurais pas dû parler à la personne de cette façon-là, tu notes ça. Tu dis, tiens, j'ai cette pensée-là, je la lâche, je l'offre à l'esprit. Je reviens vraiment dans l'instant présent. L'instant présent, c'est l'instant présent. Il n'y a pas de passé, il n'y a pas de futur. Et dans l'instant, tu te dis, bon, allez, je mets tout sur la table, qu'est-ce que je veux? Alors, je veux, ben voilà, j'ai pas de job, j'ai pas rentré d'argent, d'accord, ok. Mais qu'est-ce que je veux? Pourquoi je veux de l'argent? Parce que j'ai l'impression que si j'ai de l'argent, je vais être en paix. Si j'ai un job, je vais être en paix. Donc effectivement, je commence à comprendre que ce que je veux, c'est pas de l'argent ou c'est pas un job, c'est la paix. Si d'ailleurs je me sens mal et je me sens seul et que je veux une compagne, pourquoi je le veux? Parce que je ne me sens pas bien. Donc je veux la paix. J'ai l'impression que si j'ai un compagnon, une compagne, je vais être en paix. Ce compagnon, cette compagne va m'apporter ce qui me manque. Ouais, mais là, je vois pas que je cherche pas où il faut chercher. Et chercher, c'est justement là où on cherche, c'est en moi, pas à l'extérieur. Et en moi, c'est dans l'instant présent. En moi, c'est regarder en moi. Donc, je ne veux pas regarder en moi parce que j'ai peur. J'ai peur parce que je me sens coupable, je me sens nul, je me hais quelque part. Et j'ai peur de que les autres découvrent cette... Le fait que je suis incapable de rien, parce qu'on est incapable de rien, parce que le petit personnage est incapable de rien, donc j'ai pas envie que les autres le voient. Par ailleurs, comme j'ai envie que les autres m'aident ou m'aiment, eh bien je cherche à plaire. Et donc je cherche aussi à donner l'impression que j'ai un peu de valeur. Et je me rends pas compte qu'en faisant ça, j'essaie de donner de la valeur à un petit personnage qui n'en a aucune. Et donc je suis toujours à faux. Je suis dans au mauvais endroit. Je suis à l'extérieur. Il n'y a pas d'extérieur. Comment il n'y a pas d'extérieur? Mais il y a un extérieur. J'ai choisi une expérience humaine avec un personnage et puis tout un extérieur. Oui, mais ça, c'est imaginé. Parce que qui je suis, qui nous sommes, c'est tout, c'est l'un, c'est là, c'est tout. Il y a l'un, c'est tout, rien d'autre. La vie est une. Le Père et moi sommes un, nous sommes un. Stéphane, tu es moi, je suis toi. Comme je suis tous ceux qui sont ici, tous les auditeurs. Comme dit le grand miracle, n'oublie jamais que tu ne rencontres personne d'autre que toi-même. C'est fort quand même. Parce que ce n'est pas ce que nous montre l'apparence, bien sûr. Eh bien d'accord, on a fait exprès. On a choisi ce jeu de séparation. C'est très bien fait. Donc on n'a pas l'impression d'avoir que l'autre, c'est nous. Tout est un. Et tout est amour. Ah. Mais l'amour, c'est ça. L'amour, c'est justement un. C'est pour ça que le monde de la séparation ne reconnaît pas l'amour, comme on disait tout à l'heure. Donc Stéphane, dans l'instant présent, tu es invité, comme moi, comme tout le monde, à t'accrocher vraiment à ce qui est vrai, à demander à le voir. Et pourquoi tu ne peux pas ne pas manquer? Tu ne peux pas manquer de le voir, c'est parce qu'en fait, tu es cela. Donc, c'est ce que tu es qui va te le dire. Mais parce que quand tu fais ça, tu lâches, tu t'ouvres, et tu prends le risque de t'ouvrir. Le risque, il n'y a pas de risque, mais c'est l'illusion du risque pour l'amour. Et tu t'aperçois que je me suis pris la tête pour rien. Effectivement, je ressens quelque chose. Je ressens l'instant 5 qu'on appelle le cours. On l'appelle le cours. C'est un instant où je passe au-delà et je sens comme une assurance qu'il y a quelque chose en moi de plus fort que tous les mots que je peux entendre. Et puis, le cours miracle appelle ça un instant saint. C'est un instant, parce qu'ensuite on revient
parce qu'on ne travaille ici. Et donc, on a toujours cette sensation, cette impression d'être le corps physique, donc d'avoir quelque chose d'extérieur, qui est un travail permanent, de réajustement, tout le temps. Mais peu à peu, ça devient automatique. L'ego est toujours là, mais il n'a pas d'impact. On sait très bien que c'est qu'une pensée de violence, de haine, de peur, de culpabilité, on sait très bien. Mais ça n'a plus d'impact, ou pratiquement plus d'impact. Alors, Stéphane, ainsi que nous tous, nous sommes vraiment invités à choisir ensemble. Et je peux vous dire une chose, c'est que le groupe que nous formons ce soir, et également ceux qui écoutent cette vidéo, cet enregistrement plus tard, qui sont là présents maintenant, eh bien ça fait une force formidable. Comme dit Jésus, lorsque deux ou plusieurs sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. C'est qui ce « je » ? C'est l'un, le tout. C'est l'esprit, c'est un rayonnement, une puissance de guérison fabuleuse. Voilà, donc merci pour ta question, Stéphane. Merci beaucoup. Question suivante, une question de Marie-Laurence qui nous dit « Et si deux personnes s'aiment, mais l'un, moi, entre parenthèses, a l'intention de voir plus souvent l'autre et que l'autre résiste grâce à son libre arbitre, bien qu'il soit malheureux, que faire ? Moi, je le laisse évoluer seul, mais c'est bien long. » Oui, le cours en miracle parle de relation sainte. Il dit qu'une relation est sainte, c'est-à-dire vraie, parce que vrai, sainte, ça veut dire vrai, c'est-à-dire basée sur la vérité, c'est lorsque deux ont le même but. Bien sûr. Alors, évidemment, là, dans la question que tu nous poses, eh bien, tu parles de l'autre. Et en fait, il faut que tu es invité à savoir que l'autre a le même but que toi, en fait. Et que quand lui n'a pas envie d'être avec toi physiquement, ça c'est simplement quelque chose qui est important, c'est pourquoi toi tu veux qu'il soit physique. Parce que aimer quelqu'un, c'est vraiment le laisser libre. Mais vraiment le laisser libre. Et donc si justement lui joue le jeu de ne pas vouloir être physiquement avec toi, c'est pour t'aider à retrouver ta vraie liberté intérieure. Mais bien que ça ne plaise pas à ton ego, ça c'est bien d'accord. Hein. Je ne dis pas que c'est plaisant. Mais c'est très important, parce qu'il n'y a pas de hasard. Ce sont des rôles parfaits. Et donc l'amour, ça consiste à prendre l'amour vécu dans cette incarnation, avec un ego, à prendre à vraiment tout accueillir. En disant, effectivement, d'ailleurs tu l'as dit dans ta réponse, tu l'as été émis en disant, ben voilà, il a son libre arbitre. Mais ce n'est pas un libre arbitre, on a vu ça tout à l'heure, ce n'est pas un libre arbitre de faire, c'est un libre arbitre de conscience. Et ce n'est pas ton affaire d'aller voir le libre-arbitre de l'autre. C'est ton affaire à toi de t'occuper de ton propre libre-arbitre, c'est tout. Jamais à l'extérieur, parce que tout est intérieur. Donc en fait, tout ce que tu vis, tu as choisi de le vivre. Toutes les relations, on les a choisies. Et la plupart, souvent, enfin, là, une grosse majorité, sont des relations souvent un peu déplaisantes, parce que ça nous permet de travailler quelque chose. Donc l'autre qui ne veut pas être avec toi, en fait, c'est un cadeau. Mais ça ne te paraît pas un cadeau. Ça te paraît, ça dure depuis longtemps, comment je vais faire? En fait, c'est un cadeau. Et donc, c'est là que tu peux dire à l'esprit, bon, ok, ça ne me paraît pas un cadeau, ça m'est insupportable, j'aimerais changer ça. Oui, ça, on reconnaît ça. On ne le nie surtout pas. Alors, montre-moi ta vision. C'est encore une fois, obligé d'essayer de changer le monde, parce que essayer de faire revenir l'autre et changer le monde, change plutôt la vision que tu en as. Donc, l'autre joue un rôle parfait. Ça ne plaît pas à mon ego, ok, ça m'est pénible, d'accord, à l'ego, je demande la paix. D'ailleurs, une des premières leçons du cours, au début du cas d'exercice, une des leçons qui dit, dans toute situation, tu peux toujours voir la situation et dire, je pourrais voir la paix au lieu de cela. Donc, quand tu es perturbé avec ce compagnon qui s'en va, tu peux vraiment te dire, je pourrais voir la paix au lieu de cela. Tu as remarqué, ça ne veut pas dire « je vois la paix », non, « je pourrais voir la paix ». Ah bon ? Je demande à l'esprit de me le montrer, parce que c'est l'esprit qui va le faire pour toi. L'esprit, c'est qui tu es. Mais comme on a oublié qui nous sommes, on a l'impression que l'esprit est extérieur. Alors on s'en sert. On prie l'esprit à l'extérieur. « Montre-moi. Je veux vraiment la paix. Mais je veux vraiment la paix. » Et si je veux que mon compagnon revienne physiquement, en fait, ça ne va pas m'apporter la paix. Parce que si jamais il y a un accident,
Alors, et quoi? Donc, quelque part, la présence physique, c'est temporaire. De toute façon, c'est temporaire. Parce que même à la fin de cette vie, c'est lui ou moi qui va partir avant l'autre. Etc. Donc, c'est déjà là. Parce que le temps, il n'y a pas de temps. Donc, c'est déjà là. Donc, tout est mort ici. On est toujours face à la mort de tout. Ah, bon. Donc, c'est vrai que c'est une vision à 180 degrés qui n'a rien à voir avec la vision de l'ego. Donc, je demande de l'aide. Je demande de l'aide à l'esprit. Donne-moi ta vision, tu es en paix, toi. Tu n'es qu'amour, tu es en paix, et tu es qui est l'autre? Mon compagnon qui ne veut pas venir avec moi, ou qui éventuellement se fait tirer l'oreille, etc. En fait, c'est toi, c'est fait exprès. Je veux changer ma vision à ce sujet. Montre-moi ta vision. C'est là que ça se place. Si ça se passe à l'intérieur de soi et pas à l'extérieur, ça n'a rien à voir avec l'autre. Donc une relation sainte, c'est que ça ne concerne que moi, bien qu'il y ait une relation avec l'autre. C'est ça, bénir l'autre, c'est dire namasté, je te redonne qui tu es. Tu es la lumière divine, tu es ce que Jésus appelle le Fils de Dieu. Ça veut dire l'expression, la manifestation de la source. Voilà ce que ça veut dire. Le Christ, c'est ça, c'est la vie qui s'exprime, qui se donne à elle-même, à l'infini. On va appeler une identité divine, une identité divine, on va appeler ça une âme. Moi, j'emploie ce terme-là parce que d'autres disent un être, souvent dans les messages qu'on reçoit, un être ou une âme. Bon. Moi, j'emploie souvent le mot âme dans mon chemin parce que ça aide pas mal de gens, mais je pourrais prendre un autre mot. Hein, les mots n'ont pas d'importance. Je change, hein, on change, on se bloque pas avec les mots. Voilà. Voilà ce que je peux répondre à cette question. Merci beaucoup et merci Marie-Laurence de l'avoir posée. Alors, une autre question. Bonsoir Sylvain, Stéphane et tous. En clair, nulle part où aller et rien à accomplir, mais tout dans l'instant. C'est un point d'interrogation. Oui. Oui. Nulle part où aller, rien à accomplir, absolument, et tout dans l'instant, oui, absolument. Alors évidemment, c'est facile à dire intellectuellement et c'est important. C'est important, on le dit, on le répète. Et comme dit le cours Miracle, souvent, ben, au début, c'est un peu intellectuel, tout ça, puis peu à peu, ça devient beaucoup plus concret et vivant et expérimenté. Mais oui, absolument. Mais ça demande du travail. Parce que si ça reste au niveau intellectuel, tout ça ne marche pas. Hein, on voit d'ailleurs, vous allez voir autour de vous certains qui parlent très bien de ça, avec énormément de clarté, et puis finalement qui peuvent avoir des terreurs et des choses comme ça, parce que ce n'est pas réglé, ce n'est pas encore vécu à un niveau très profond. Mais chacun fait ce qu'il peut. Ce qui est important, c'est vous, votre chemin, en sachant que tout ce que vous vivez, tout ce que vous rencontrez, c'est parfaitement adapté à votre chemin, à vous qui est unique. Ah bon? Ça change tout. Donc, j'ai personne à critiquer. Je me réjouis. Merci, merci, merci à tout le monde. Merci aux 7 milliards de frères et sœurs qui sont sur cette planète, où chacun joue un rôle parfait et où à chaque fois je peux rechoisir comment je voudrais voir la situation. Je demande à l'esprit de me montrer, aussi bien au niveau personnel, dans ma famille, avec mes amis, mes enfants, conjoints, qu'au niveau de la société où je vis, de mon village, de ma ville, de ma campagne, ou même de mon pays, ou de la planète. Et même du cosmos. La même chose à propos du cosmos, d'ailleurs, petite parenthèse, ça ne va pas être le moment ce soir pour en parler une autre fois, mais y compris de tous les extraterrestres, tous les êtres d'autres dimensions, y compris ceux qu'on appelle les gros vilains, là, les petits gris et compagnie, qui sont simplement des frères de lumière aussi, comme tout le monde. Bon, mais ça, c'est encore un autre sujet. Voilà pour la question. Merci beaucoup et merci pour la question. Alors, question suivante. Bonsoir. S'il existe une illusion du risque en amour, la réalité peut nous apporter de la souffrance. Je me demande si nous pouvons être prêts à aimer sans souffrance. La réalité peut nous apporter de la souffrance. Bon, en fait, ce n'est pas la réalité qui apporte de la souffrance, c'est la façon dont on appréhende la réalité. Parce que si on a vraiment la vision de la réalité, c'est une joie incroyable. Donc d'ailleurs, s'il y a souffrance, il n'y en a pas du tout. Alors là, vraiment, zéro de chez zéro. Hein. Bon, alors donc c'est une fausse vision de la réalité qui apporte de la souffrance. Ça, c'est très important. Et quelle est cette fausse vision de la réalité? C'est la vision de la séparation. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Donc, comment faire pour vivre justement ici, dans cette réalité sans souffrance? Ben, comment faire? Ben, en se disant, mais de quoi on parle?
De quoi on parle? De quoi? On parle de la réalité. Bon, très bien. On parle d'éveil à la réalité, voir ce qui est vrai. Très bien. Comme dit Jésus, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. C'est connu, c'est une phrase dans les évangiles, tout le monde. Ben, ça parle à beaucoup de gens. Très bien. Mais c'est quoi la vérité? C'est ce qui est vrai. C'est que tout est un. C'est que tout est amour et il n'y a rien d'autre. Alors à ce moment-là, ça change tout. Donc la souffrance, c'est une fausse vision de la réalité. Et effectivement, si j'ai l'impression de souffrir, si j'ai peur de souffrir, c'est parce que j'ai une vision fausse de la réalité. Très bien, je ne nie pas ça. Évidemment, j'ai choisi, j'ai fait exprès. J'ai fait exprès d'oublier. Vous voyez, c'est finalement cette histoire de séparation, de jeu de la séparation, ça commence à prendre un sens de plus en plus. Donc j'ai choisi d'oublier ça. Alors qu'est-ce que je fais maintenant avec ça? Mais si c'est vrai, effectivement, on est là à parler. On est là, il y a quelque chose qui existe. Il y a des atomes qui vibrent, c'est incroyable. Tout ce qui se passe, etc. Ça vient d'où ça? Ça vient de la pensée, ça vient justement de la vie, ça vient du divin, qui autorise le jeu, qui le permet. Tu veux jouer? Regarde, vas-y. Et avec une puissance incroyable, on fabrique l'univers entier. 350 milliards de galaxies, rien que ça. Voilà ce qu'on fabrique, qui est un terrain de jeu, qui n'est même pas réel. Mais dis-toi, et rien que sur une petite planète comme ça, comme la Terre qui n'est même pas un grain de sable, non, sur une plage immense, c'est rien par rapport à l'immensité de l'univers, où dans notre petite galaxie, là, il y a déjà 240 milliards de soleils, d'ailleurs d'étoiles, 240 milliards dans une galaxie, il y a 350 milliards de galaxies. Et c'est quoi ça? C'est l'expression, c'est l'imagination par le Fils, par qui nous sommes, c'est nous qui créons ça, c'est l'expression du Père. Ah, bon. Oui. D'accord. Mais ce père-là, cette source, quoi? C'est amour, justement. Et si justement le jeu paraît si difficile, c'est parce que justement ça n'est qu'amour. Et puis on peut dire que cette difficulté énorme de se réveiller, ça vient du fait que tout est amour. Donc on est libre à l'infini. Mais comment je vais faire puisque là je suis coincé dedans? Ben, la seule chose à faire, il n'y en a qu'une, il n'y en a pas deux. C'est pas faire, c'est choisir comment je veux voir, comment je veux être. Et comme je suis amour, ben je choisis qui je suis, qui nous sommes tous. Ah bon? Mais qu'est-ce que je fais à ce moment-là? Eh bien, j'ai joué le jeu de la séparation, c'est-à-dire le jeu de la peur et de la culpabilité. Très bien, il me colle à la peau, c'est vrai, comme tout le monde. Ben je choisis autre chose, je change. Moi, je veux aimer. Je veux retrouver qui je suis, mais je le veux vraiment. Je le veux vraiment. Et c'est cette force de volonté qui va être motrice de changement profond. Mais je ne change pas d'avis. Je ne change plus d'avis. Et d'ailleurs, dans le courant miracle, j'aime bien citer là ce passage, enfin, cette partie qui est au chapitre 21, sous chapitre 7. La dernière question serait restée sans réponse. Cette question, c'est est-ce que je veux ce que j'ai nié parce que c'est la vérité? Qu'est-ce que j'ai nié? Ben que tout est un. Mais qu'est-ce qu'est la vérité? Ben que tout est un. Est-ce que je veux ça? Et là, le cours nous dit, si tu choisis là, si tu réponds à cette question, toutes les autres questions auront leur réponse. Ah oui. Donc, nous sommes invités, les uns les autres, tous ceux que nous sommes invités à chaque fois, me dire de quoi on parle là. J'entends les gens parler dans la rue, partout, dans les cafés, partout. Je lis les journaux, j'écoute les journaux télévisés, je vois la peur partout, la culpabilité, je vois les manœuvres, tout ça. Mais qu'est-ce que je veux voir? Est-ce que je veux voir toujours ces mauvaises nouvelles? Est-ce que je veux voir ça? Est-ce que je veux me laisser entraîner? Là, je dis, j'arrête. J'ai aucun contrôle sur tout ça, mais aucun. Aucun contrôle. Par contre, je peux être guidé à faire de la musique, à militer dans telle association, militer, en fait, aller participer à une association, ou même rentrer dans la police ou dans l'armée, pourquoi pas, ou même être prêtre, ou j'en sais rien. Mais c'est comment je vais le faire? C'est parce que je le sens.
Et donc, je fais ce que je sens. Parce que l'esprit, tout le monde, sans aucune exception, donc il va, qui place, qui nous place partout. Parce que partout, on dénigre beaucoup les structures. Wall Street, Monsanto et compagnie, hein, et comme ça, on peut continuer longtemps, y compris des systèmes totalitaires, etc. Bon, ok. Mais qui y a derrière? Allez-y, allez là-bas. Rentrez chez Monsanto. Qu'est-ce que vous allez voir? Des hommes et des femmes. Et à chaque fois, vous êtes appelé à dire, mais qui j'ai en face de moi? Là, là, dans le bureau de Monsanto, là, à tel endroit, ou je ne sais pas qui, ou à Wall Street, chez Nestlé, qui vous voulez, n'importe quoi. Je n'ai pas envie de faire des hommes et des femmes, des frères et des sœurs. Voilà un regard différent à dire, Namasté, je choisis qui tu es. Je salue le divin que tu es, quelle que soit ton apparence. On nous dit souvent, on parle d'enfants innocents. Alors les adultes ne sont pas innocents, tout le monde est innocent. Ce n'est qu'un jeu imaginé. Et si je juge n'importe qui, même pour la plus abominable des actions, eh bien c'est moi que je juge, parce que je suis l'autre, nous sommes un. Mais ça change tout, ça change tout. Vous voyez évidemment ce dont nous parlons ce soir et ce dont nous parlons ensemble de plus en plus partout maintenant, c'est quand même un peu sérieux. Hein. C'est quand même pas une plaisanterie. Alors c'est pas évident, c'est certain, mais c'est magnifique, magnifique. Voilà, merci pour la question. Merci beaucoup. Merci Minas pour la question. Alors, on a une question de Juliette qui nous dit « Est-ce que vous parvenez réellement à aimer tout le monde de la même façon ?» Merci. Oui et non. Pourquoi je dis oui et non ? Ben, on va expliquer. Okay. C'est Juliette. Bon, Juliette, pourquoi ? Pourquoi je dis oui et non ? Oui, parce que nous sommes amour. Et l'amour n'a qu'une manière d'aimer, c'est infini. Et puis en même temps, ça s'individualise temporairement dans ce jeu par des ressentis. Donc, et on appelle ça aimer. Mais je peux très bien, par exemple, dire ben, « je ne sens pas cette personne. Je ne sens pas très bien avec cette personne. » Et on peut le faire là, ensemble. Pendant que je suis en train de parler, moi je suis en train de le faire, je peux penser à une personne en disant cette personne-là, ça me gêne. Bon, alors donc j'ai déjà, je m'accueille avec ça. Très bien. Et on peut faire l'exercice là, ensemble, hein. Allez, profitons-en, parce que ça, vous allez voir, ça aide. Hein. Chacun peut penser à une personne. Bon. Mais je peux dire, bon, ben, j'ai pas envie d'être avec la personne, c'est ok, je fais ce que je sens. Mais je sais que comment est-ce que Dieu voit cette personne, ou la vie, comment elle est la vie. Elle est, cette personne, elle est amour. Donc forcément, elle est aimée à l'infini. J'ai un ressenti différent, mais ça, c'est mon côté humain. Donc c'est pour ça que je dis, je ne vais pas aimer au sens humain de la même façon les uns et les autres. Mais si je sens de ne pas aller avec telle personne, je dis, ok, je ne vais pas avec cette personne parce que je ne le sens pas, mais je t'aime, mon chéri ou ma chérie. Je ne sens pas d'aller avec toi, mais tu es infiniment digne d'amour, digne d'aimer et d'être aimé, parce que tu n'es qu'amour. Et puis en même temps, je constate que j'ai autre chose à faire que d'aller avec toi. C'est tout. Et je le fais dans l'amour. Donc, j'aime tout le monde de la même façon, au plan réel, au plan de la vérité, et sur le plan humain, je vais avoir des émotions différentes, des ressentis différents, donc des attirances. Ou des neutralités, ou ce qu'on va appeler des répulsions, dont je ne sens pas rentrer là. Vous êtes avec des amis, vous êtes dans une petite une ville, quelque part, on va au restaurant. Bon, baladez, il y a 3-4 restaurants là, et puis vous choisissez un restaurant. Et finalement, vous optez pour un restaurant. Et l'autre, vous ne le sentez pas. Mais est-ce que vous dites que c'est heureux? Non, vous dites non, je ne le sens pas. Peut-être qu'il paraît un peu plus sale, moins bien tenu, peut-être, c'est possible. Mais je ne vais pas là. Et c'est exactement ça. Donc, on n'aime pas de la même façon sur le plan humain, mais l'amour n'est pas humain. L'amour était, le vrai amour est au-delà. Dans le ressenti, dans l'émotionnel, c'est différent. Mais je peux aimer tout le monde quand même avec ce ressenti-là. C'est-à-dire, je vais suivre ma guidance
et puis observer qu'effectivement, telle personne m'attire plus qu'une autre. Mais je ne sais pas pourquoi. Et je l'offre à l'esprit. Alors à ce moment-là, à ce sujet-là, je voudrais préciser une chose qui, moi, m'aide depuis, consciemment depuis plus de 30 ans. C'est que dès que j'ai une pensée comme ça, relationnelle avec quelqu'un où il y a une petite difficulté, je ne sais pas ce qui va se passer, j'offre la relation à l'esprit. Et je dis, tu t'en occupes. Et si chacun, chacune d'entre vous était là face à moi ce soir, physiquement, et tu allez, donc, l'esprit s'occupe de ma relation avec toi Juliette, avec toi François, avec toi Marie-Claude, etc. L'esprit s'en occupe. Et comme on a dit tout à l'heure, mon intention est que tu reçois la meilleure des vibrations qui peut émaner de moi. Voilà mon intention. Et alors là, c'est là aimer chacun de tout le monde de la même façon. C'est mon intention. Vous comprenez? Donc c'est très simple. Voilà, je crois que j'ai répondu à la question. Tout à fait. Merci beaucoup. Et merci Juliette de l'avoir posée. Une question de Minas qui nous dit « Comment vivre un amour épanouissant sentimental, puisque la notion de liberté est propre à chacun, fermer les yeux sur des actions de l'autre, se résigner, accepter, s'ouvrir soi-même à cette liberté, pratiquer ensemble ?» Il y a un terme qui est se résigner. C'est pas, bon, accepter, c'est pas se résigner. J'accepte le comportement de l'autre, c'est pas pour ça que je dis, mais qu'est-ce que j'ai envie de faire? Je reste, je m'en vais, je pars en voyage, je fais ce que je sens. Et ça, c'est très important. Oui, mais qu'est-ce que l'autre va penser? Je fais ce que je sens. Et justement, je demande à l'esprit de l'harmonie. Je dis, voilà, tu m'aides, tu me guides. Et vous allez voir, si vous faites ça, vous allez être surpris de voir à quel point vous évoluez extrêmement vite, que vos relations sont beaucoup plus harmonieuses très rapidement, et que vous avez des réponses et que des situations changent très vite, pour le bien de tous. Donc je vais reprendre cette question. Comment vivre un amour épanouissant sentimental, puisque la notion de liberté est propre à chacun. Voilà. Eh bien, c'est ça le paradoxe, c'est que vivre un amour épanouissant sentimental, c'est parce que là encore, dans cette question, il y a « j'ai besoin de l'autre ». En fait, si je suis attiré par quelqu'un, si je l'aime vraiment, je peux dire « écoute ». Je peux dire à moi, intérieurement, je n'ai pas besoin de le dire à la personne. Je me sens attiré par toi, je t'aime. C'est vrai que j'aimerais qu'on fasse des choses ensemble, mais tu es libre. Et je suis le plan divin et non pas mon petit plan à moi. J'avais reçu il y a 30 ans le message suivant. Sylvain, travaille, work en anglais, work, travaille mon plan, pas le tien. Donc quand je veux vivre avec quelqu'un, c'est mon plan. C'est le plan du petit personnage. Ça n'empêche pas que je peux dire, tiens, je suis attiré, j'ai envie de vivre avec cette personne. Oui, bien sûr, il ne s'agit pas de nier ça. Donc je constate, je dis, tiens, j'ai envie de vivre avec cette personne, et je le remets à l'esprit. Et tu t'en occupes. Voilà. Parce que qu'est-ce que ça veut dire vivre avec la personne? Ça veut dire que c'est déjà une projection dans le futur. C'est des stratégies. Mais il n'y a pas de stratégie. On ne sait pas ce qui se passe demain, après-demain. Il n'y a jamais de promesse à faire. Ça n'a pas de sens. Promettre quoi? Ah, promettre quoi? Et là, c'est intéressant d'observer ça. Et de se dire à chaque fois, chacun, mais qu'est-ce que je veux l'autre? S'il était là, on discuterait. Alors on va faire des arrangements, c'est des marchandages, ce n'est pas de l'amour, ça. Même dans la CNV, qui est un outil remarquable, extrêmement évolué, qui fait un bien fou, qui aide énormément de gens, la communication non violente, hein, avec l'histoire de la girafe et du chacal et tout ça. Très bien. C'est super, super outil, magnifique. Mais même là, on fait des concessions. Bon, temporairement, c'est un barreau d'échelle déjà très haut. Mais encore une fois, on a des désirs contradictoires, donc on va faire un mi-chemin ensemble, on va faire des arrangements, des concessions. Ce n'est pas le plan, le courant miracle, pas du tout. Non, il n'y a pas de concession à faire. Dans l'instant, il n'y a pas de concession. Parce que c'est déjà des projections sur le futur. Encore une fois, ça peut aider. Certains disent, oui, d'accord, c'est bien gentil, mais moi, j'ai envie de faire de la CNV avec des concessions. Très bien, bah, fais-le. Fais ce que tu sens, bah, fais ça. Vas-y. Alors, il y a une invitation à être pas prisonnier de ce qu'on fait. Donc, je me sers de l'instrument qui est magnifique, et puis je vois. Et d'ailleurs, on voit partout qu'il y a des mille manières de faire n'importe quoi, aussi bien d'être dans une religion ou de suivre un enseignement comme la CNV ou autre chose.
Et il y a des tas de manières différentes. Et notre rôle, c'est de tout accueillir, tous les comportements. Des comportements beaucoup plus intégristes, au contraire, beaucoup plus ouverts, beaucoup plus libérés, de s'émerveiller de tout, tout à son sens. Chacun fait ce qu'il peut là où il est. Très important. Donc à ce moment-là, l'autre, mon conjoint, vivre un amour sentimental, en fait, dans ma question que je viens de poser là, il y a « j'ai besoin d'attraper l'autre ». Eh oui, parce que je fais un plan. Et en fait, l'amour, non, il n'attrape rien. L'amour est libre, Dieu est libre, nous sommes libres. Donc il y a un paradoxe extraordinaire avec les relations amoureuses, c'est qu'en fait, on se retrouve ensemble, on est attiré l'un pour l'autre, l'un par l'autre, pour se libérer. Et effectivement, à ce moment-là, il peut y avoir des choses extraordinaires qu'on va vivre ensemble, mais libres, enfin libres, et vraiment libres. Et je pèse mes mots. J'espère que j'ai compris. Ce n'est pas la peine d'en rajouter trop, parce que ça fait bouger beaucoup de choses, mais quand même, c'est très bâti sur le roc, ça. Hein. Merci beaucoup. Et merci, Médassi, pour la question. Alors, question suivante. On a une question. Alors, je ne sais pas qui c'est. Bonsoir, Sylvain. Bonsoir, Stéphane. OK, pour ne rien décider. Et sans remettre. On n'entend plus, là. On n'a plus de son. Oui, c'est parce que ça résonnait en face. Oui, le son est parti. Tu peux répéter la question. Oui. Voilà, c'est bon, ça marche. Bonsoir, Sylvain. Bonsoir, Stéphane. OK, pour ne rien décider et s'en remettre à nos guides. J'ai juste du mal à me connecter à eux pour suivre ce chemin auquel j'aspire tant. Très bien, merci pour la question. Ne t'occupe pas de ta connexion à eux, eux s'occupent de la connexion à toi. Et donc, ça les fait rire, parce que c'est exactement ça. Tu vois, il y a toujours l'impression, et on a tous ça, que je ne vais pas y arriver. Rappelle-toi ce qu'on a vu déjà tout à l'heure, tu n'as rien besoin de faire. Donc, tu n'as pas besoin de te connecter au guide. Tu vois, c'est très fort. Si vous méditez sur ça, si vous intégrez ce qu'on dit, oui, on dit des choses, ah bon, oui, c'est intéressant, on a dit, oui, tu n'as rien besoin de faire, c'est super. Oui, mais de quoi on parle? Donc à ce moment-là, voilà un exemple. Je n'ai rien besoin de faire. Je n'ai rien besoin de faire, donc je n'ai pas besoin de bien me connecter à mes guides, puisque je n'ai rien besoin de faire. J'ai mis l'intention d'être connecté, il s'en occupe. C'est-à-dire qu'en fait, l'esprit s'occupe de se connecter à moi. Ce qui est important, c'est mon oui, c'est dire oui, d'accord. C'est ça que je veux. Je veux être connecté, c'est tout. C'est pour ça que dans le cours en miracle, d'ailleurs, il ne parle que de la bonne volonté. Willingness en anglais, c'est to be willing, être de bonne volonté. Donc c'est tout ce que l'esprit a besoin. L'esprit a besoin que de ça. Donc c'est pareil. Donc, je n'ai pas besoin de me connecter à mes guides. Je dis, je veux être connecté à mes guides. Et c'est cette intention qui est créatrice de manifestations concrètes. Ce n'est pas la réussite. On n'a rien à réussir puisqu'on n'a rien besoin de faire. Oui, ça a l'air de rien, cette histoire de « j'ai rien besoin de faire », mais ça engendre, ça implique tout. Hein. Ah bon, oui, mais justement, bonne nouvelle. Alors, on danse ensemble. Hein. Merci pour la question. Merci beaucoup. Question suivante. Alors, comment expliquer que notre projection de ce monde soit si incroyable? Par exemple, quand je voyage, je ne connaissais pas le paysage. Comment ai-je pu l'inventer? Mais comment ai-je pu l'inventer? C'est-à-dire qu'en fait, j'ai oublié. C'est tout. Donc, de qui je parle? Parce qu'à chaque fois, c'est de qui on parle. Quand je voyage, qu'est-ce qui voyage? C'est le petit personnage. Donc, c'est un jeu qui est fait où on se prend pour un personnage qui a tout oublié. Il a oublié que c'est lui qui a créé le jeu. Et donc, forcément, il ne reconnaît pas le père. Il ne connaît rien du tout. Oui. Donc c'est une projection qui est incroyable par la puissance que nous sommes. Elle est incroyable parce que c'est extrêmement, extrêmement puissant, c'est une projection et qui vient de la puissance que nous sommes. D'ailleurs, on ne peut pas comprendre par le petit personnage il ne peut pas comprendre ça. Parce que lui, il a aucun... C'est impossible. C'est pour ça qu'on parle de révélation. Et c'est pour ça qu'on parle de méditation, de faire silence et de passer par un vide. Ça permet à ce que quelque chose de nouveau qui arrive et qui descend sur nous comme tout d'un coup il y a une prise de conscience qui est révélée. On est révélé. C'est pour ça qu'on parle de révélation. Qui est-ce qui se révèle? C'est qui nous sommes vraiment?
ça ne se commande pas avec le petit personnage qu'on pourrait être et la vision extérieure qu'on a. Ce n'est pas là que ça se place. Et donc, c'est très simple, en fait. Et ça passe justement par un lâcher-prise total. Et quelque part, on ne veut pas lâcher prise parce qu'on a peur. C'est encore une fois l'illusion du risque en amour. On a peur de s'ouvrir et donc d'aimer. C'est normal. Et ce soir, on est en train de travailler ensemble ça, d'accueillir nos peurs et puis d'émettre le désir de passer au-delà. C'est tout. Voilà. Merci beaucoup et merci pour la question. Question suivante de Alma qui nous dit « Bonsoir à Sylvain et Stéphane, je suis une jeune lumière et j'aimerais savoir s'il ne m'arrive plus tellement de coïncidences, signes et situations magiques, suis-je toujours sur le bon chemin ? Merci à vous. » Absolument. On est toujours sur le bon chemin. Toujours, quoi qu'il se passe. Les coïncidences, la façon dont ça se passe, effectivement, ça peut arriver que il y a beaucoup de coïncidences pendant un certain temps, puis d'un coup, il n'y en a plus. C'est fait exprès, parce qu'en fait, souvent, ces coïncidences sont une aide, mais quelque part, on oublie de lâcher. C'est comme des échelles, c'est comme des barreaux d'échelle qu'on monte. On monte un barreau, donc ça nous permet de monter plus haut, et on veut garder ce barreau d'échelle. Non, on le lâche. Donc, j'ai plus de coïncidences, mais je suis toujours, effectivement, sur le bon chemin. Bien sûr. C'est évident que, je vais dire, voilà, j'aime bien dire ça. On est toujours au bon endroit, avec les bonnes dans les bonnes circonstances, avec les bonnes personnes et au bon moment. Donc on est toujours sur son chemin. Pourquoi ? Il y a une raison. C'est parce que c'est l'esprit qui guide, qui fait le chemin. C'est pour ça que dans l'introduction du courant miracle, il dit, bon, le libre arbitre ne signifie pas que tu peux établir le programme du cours. On est tous sur un courant miracle. Et tu ne peux pas maîtriser les événements, mais en revanche, tu peux choisir ce que tu veux entreprendre à un moment donné. Donc, on choisit. Donc, tu es toujours sur le bon chemin. Et en fait, la question pour toi, Anita, Alma. Alma. La question pour toi, c'est comment je veux voir ça? Donc, je veux voir, encore une fois, je veux voir ce que j'ai nié parce que c'est la vérité. Donc, je suis sur le bon chemin toujours. Parce que quand je pense ne pas être sur le bon chemin, je prends la place de l'esprit. Puisque là où je suis, c'est là où l'esprit a voulu que je sois. Tout à l'heure, je parlais des cinq phrases qui sont à la page 30 du texte du courant miracle, là en français, dans l'édition française. Et la troisième, c'était « Je n'ai pas à me soucier de ce que je vais dire ni de ce que je vais faire, car celui qui m'a envoyé va me diriger. » Mais la quatrième phrase, c'est je suis toujours là où il souhaite que je sois. Non, pardon. Je suis heureux d'être là où il souhaite que je sois, sachant qu'il y va avec moi. Donc, je suis toujours accompagné, toujours accompagné. Donc, je suis toujours sur le bon chemin, puisque j'ai toujours l'esprit à côté de moi. Et si je ne devais pas être là, l'esprit se serait débrouillé pour me faire être ailleurs. C'est pour ça que ce soir, par exemple, tous ceux qui sont là branchés, c'est l'esprit qui les a guidés. Ceux qui vont regarder après, c'est l'esprit qui les guide. Et puis ceux qui ne regardent pas, c'est aussi l'esprit qui les guide. L'esprit qui fait tout. Ce n'est pas nous, c'est pas le petit personnage que nous voyons. Voilà pour la question. Merci beaucoup. Merci Alma pour la question. Question suivante de Monique qui nous dit « Bonjour, quand on lit un livre ou que l'on regarde un film, est-on dans l'instant présent ?» C'est une question de que tu fasses n'importe quoi, c'est à toi de le décider. Donc, c'est comment tu es dans l'instant présent, c'est tout. C'est pas de lire un film, de regarder un film ou de lire un livre. C'est comment tu regardes le film et comment tu lis ce livre, c'est tout. Et donc, alors oui, mais on va dire, mais si je suis là à me torturer l'esprit, je regarde un film, est-ce que je suis un, c'est fini, je regarde le film. Seulement, peu à peu, on apprend à être en paix. Et puis, je regarde le film, puis tout d'un coup, il y a une scène que j'aime pas. Puis d'un coup, je sens quelque chose dans mon estomac où j'ai de la violence. Comment est-ce que je regarde ça? Quelquefois, je peux mettre ma main sur mes yeux, arrêter de regarder ça, je ne sens pas. Le livre aussi, je lis un livre, ça me plaît, si d'un coup, je ne sens pas, ou d'un coup, je n'arrive pas à lire, mais j'arrête. Au contraire, je lis le livre, je le dévore, et je le lis en deux jours, et je le termine. Donc, c'est comment je fais les choses. Ce n'est pas de lire un livre, de regarder un film, ou de faire je ne sais pas quoi.
C'est toujours comment je suis dans l'instant présent. Alors, c'est vrai que comme on est dans un monde où on est souvent pris par exemple, je conduis ma voiture, il pleut très fort, ou au contraire, il y a des embouteillages, ou il pleut, il y a beaucoup de trafic, je fais attention. Donc, je fais attention. Eh bien, je fais attention à ce que je fais. Mais c'est comment est-ce que je fais attention? Est-ce que je fais attention? Est-ce que je suis dans la peur? Oui, peut-être, mais ben oui, j'ai peur, mais j'essaye de, là, au milieu de ce trafic, là, de demander de l'aide à l'esprit, besoin de moi. Viens conduire avec moi. Je lis le livre, on lit le livre avec moi. Je regarde un film, allez, on y va ensemble. Donc je fais la queue pour voir un film. D'un coup, je pense, mais je vais être pris par un tas d'images, je suis très influençable, peut-être. Mais je ferai l'esprit, donc allez, je suis là en train de faire la queue pour aller voir ce film. Guide-moi, guide la façon dont je vais voir le film. Toujours je fais ça. Toujours j'offre à l'esprit, en permanence. J'arrête d'essayer de m'en sortir par moi-même. J'arrête de compter sur mes propres petites forces qui ne sont rien du tout, qui sont dérisoires. Comme dit le cours en miracle, je répète, la présence de la peur est le signe certain que tu comptes sur tes propres forces. La présence de la peur est le signe certain, absolu, que tu comptes sur tes propres forces. Mais on dit que tu as toutes les. Oui, tu as une force infinie, mais pas le petit personnage que tu crois être. Qui tu es vraiment a une force infinie. Fais confiance à ça, mais pas au petit personnage. Voilà. Merci beaucoup et merci Merci. Monique pour la question. Question suivante. Bonsoir Sylvain, la sérénité que l'on sent en vous, cette acceptation de ce qui est, sont-elles venues d'un seul coup ou progressivement? Merci. Je veux bien répondre à la question, mais je vais vous dire, puisque vous me voyez, une chaîne, Vitaly. bref, que occupez-vous bien de votre chemin à vous. Parce que si je réponds oui ou non, ou si je réponds d'une certaine manière, c'est souvent un piège. Parce qu'il y a il y a certains qui ont des révélations spontanées, d'autres où ça prend du temps. Et puis même ceux qui ont une expérience d'éveil, ils peuvent avoir de grandes peurs après et avoir tout un travail à faire. Et ça peut arriver. Donc, c'est simplement des expériences temporaires. Donc, au fond, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Donc, dans mon cas, moi, quelque part, depuis que je suis petit, j'étais attiré par les miracles de Jésus quand j'avais 12, 13 ans, 14 ans, et puis voilà. Et puis, c'est vrai que j'étais très en accueil, très en observation de mes camarades. Donc je voyais qu'ils étaient souvent violents, qu'ils se servaient d'une force pour avoir du pouvoir sur les autres, je voyais ça. Mais moi aussi, j'ai connu ça un peu. Donc voilà, donc je ne peux pas dire, je ne peux pas répondre à la question vraiment. On peut dire que c'est en 1973 que j'ai commencé à être vraiment. Je m'intéressais qu'à. Je lisais pas les journaux, je m'intéressais qu'à la conscience, bien qu'en fait, j'ai eu des vies professionnelles. À cette époque-là, j'avais des choses à faire, je suis parti en Afrique. Non, j'étais revenu d'Afrique à ce moment-là. J'avais des choses qui m'angoissaient, évidemment, comme toujours, mais j'étais quand même, j'avais que ça qui est chez moi, j'avais que ça. Et le soir, quand je me couchais, je lisais toujours, soit Dialogue avec l'ange, soit des choses comme ça, ou des livres de Osho, ou des livres de Joseph Murphy, ou d'autres, ou La vie des maîtres, par exemple, choses comme ça qui me nourrissaient. J'étais vraiment nourri par ça depuis 73, 74. Enfin, je ne veux pas nier ça. Voilà. Mais c'est une expérience parmi d'autres. Alors, oubliez ça. Si ça peut vous aider, tant mieux, mais laissez tomber. Ne vous occupez pas de Sylvain. Hein. Occupez-vous de vous. C'est fondamental. Il n'y a que vous. C'est vous qui. Ce n'est pas Sylvain qui vit votre vie. C'est vous. Hein, la vie, c'est vous. Vous êtes une fleur unique. Votre place est absolument sacrée. Et sans vous, la tapisserie divine n'a pas de sens. Alors, on s'occupe de soi. Voilà. C'est une invitation profonde. Hein. Ce n'est pas du tout un rejet comme ça, mais non, c'est profond. On s'occupe de soi. C'est en soi que ça se passe. En soi-même. Voilà comment je réponds à la question. Merci pour la question. Merci beaucoup. Merci pour la question. Question suivante de Carlos qui nous dit, Jésus disait que l'on a accès au Père, l'uni, directement sans passer par des intercesseurs et ne parle aucunement de guide. Je pense que les paroles du Christ nous évitent le piège, de l'astral et des faux guides de l'astral. Qu'en pensez-vous? Oui, c'est-à-dire qu'en fait, effectivement, le message du Christ était tout à fait non-duel. Et donc, il ne parlait pas d'intermédiaire.
ce qui n'empêche que, par exemple, dans le cours, on va dire que, par exemple, il dit, Jésus nous envoie en disant, je vous envoie comme mon Père m'a envoyé vers vous. Je vous envoie vers les autres comme mon Père m'a envoyé vers vous. Donc, ça suppose un intermédiaire. Donc, voilà. Donc, ce qui est important, c'est l'amour que vous véhiculez. Et donc, vous êtes, quand vous êtes vraiment dans l'amour, vous apercevez qu'à ce moment-là, des gens viennent à vous et vous disent, mais aide-moi, aide-moi. Et on dit, d'accord, mais vous ne faites rien. Vous comprenez ? Regardez, moi, je suis en train, on m'invite pour faire une vibra-conférence, là, etc. On m'invite à droite, à gauche pour faire un atelier ou autre chose. Mais je ne fais rien, vous m'entendez bien ? Je ne fais rien. Je n'ai personne à convaincre. Je réponds à des invitations. Mon seul travail, c'est de vivre ce dont je parle, c'est d'être le message. Ce n'est pas de le verbaliser. D'ailleurs, le cours en miracle est très spécifique à ce sujet. Il dit les messagers de Dieu, comme les messagers du monde, ils transportent un message. Mais la différence des messagers du monde, c'est qu'ils doivent être eux-mêmes le message. Dans le monde, la personne apporte le message, le donne à celui pour lequel il est destiné, auquel il est destiné, très bien. Mais le message qu'on apporte, on est soi-même le message. Vous êtes le message. Vous êtes la lumière du monde. Vous êtes le témoin de la réalité. Peut-être un peu plus que les gens, parce que ceux qui sont ici ce soir, la plupart sont des phares, des lumières là où ils sont, dans leur monde. C'est comme ça que ça fonctionne. Mais vous n'avez personne à convaincre qu'à vivre l'amour au mieux que vous pouvez, c'est tout. C'est que ça, vivre l'amour, être l'amour, là, quand vous allez chercher votre enfant à l'école, quand vous rentrez dans un magasin, quand vous rentrez ou passez la porte de la banque, n'importe quoi. Vous allez au boulot, comment on dit bonjour ce matin ? On peut décider en disant, aide-moi, je vais être plus dans l'amour. C'est ça le message. À ce moment-là, vous êtes plus le message. Vous comprenez ? Voilà, j'ai répondu à la question. Merci beaucoup. Et merci Carlos pour la question. Question suivante de Annick qui nous dit « La gratitude est-elle la preuve de notre reconnaissance de l'amour que Dieu a pour nous et que nous avons pour lui ? Dire merci, est-ce une bénédiction ou autre chose ?» Effectivement, le cours dit « L'amour est le chemin que je parcours dans la gratitude ». C'est le titre des leçons, un peu au début. « L'amour est le chemin que je parcours dans la gratitude ». Effectivement, l'existence, elle est gratitude, elle est joie, elle se remercie elle-même en permanence, elle s'émerveille d'elle-même. Donc ça entraîne un état de gratitude permanent. Et la gratitude qu'on peut avoir envers tous les frères et sœurs, mais intérieurement, pas besoin de verbaliser, parce que même y compris d'une personne qui semble négative, vous vous faire vraiment beaucoup de mal, mais dire profondément, je te remercie de ton rôle, on le dit intérieurement, hein, bien sûr, profondément, je te remercie de ton rôle, je te remercie de ce rôle parfait, parce que tu m'as envoyé, c'est moi qui te crée en fait. Nous créons tous les deux pour me libérer, pour me permettre vraiment de me centrer davantage sur qui nous sommes, donc de t'accueillir dans l'amour. Merci, et on se remercie. D'ailleurs, j'ai devant moi une feuille que j'ai écrite. D'habitude, j'avais souvent devant moi, dans mon bureau, ici où je suis, une feuille où j'écrivais des comme ça, une phrase ou quelque chose qui me venait. Et là, ça fait au moins 3 ans, il y a simplement ça qui est écrit. Parce que on l'a vu, Stéphane. On l'a bien vu. Ça n'a pas bougé depuis 3 ans. Hein, bon. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et merci Annick pour la question. Alors. Encore une question. Tout est adapté à chacun, parfait. Comment amener une personne qui vit une grande violence dans son couple à adhérer à cette vérité ? Ça consiste d'abord à noter la violence et en disant « je perçois ça comme une violence ». Bien. Parce que pour Dieu, pour la vie, pour l'existence, c'est un fait, c'est tout, il n'y a pas de violence. Mais pour moi, je perçois comme une violence. Bon, très bien. Donc, je m'en occupe parce que c'est fait exprès. Bon. Alors, et puis là, j'ai une violence dans mon couple. Alors, on dit mon couple. On dit on va sauver notre couple. Mais ça veut dire quoi ? C'est pas mon couple, c'est mon conjoint, ma femme, mon mari, tout ça.
ça m'appartient. Vous comprenez que ça, quelque part, ça n'a pas de sens. Dire ma femme, mon mari, mais mes enfants, bien sûr, c'est mes enfants, je nie pas que je les fais, bien sûr. On vit ensemble depuis 10 ans aussi avec mon mari, avec, très bien. C'est pas nier ça, bien sûr. Mais profondément, en vérité, en conscience, qu'est-ce qui m'appartient? Mon couple. Alors, mon conjoint, il est par rapport à quelqu'un d'autre, il est plus. C'est vrai que ça fait travailler plus, en particulier s'il y a violence. Et donc, à ce moment-là, ben, je m'en occupe. Parce que je dis, disons, je vis en couple, normalement, on est là pour s'aimer, et puis il y a violence. Peut-être la violence vient d'autre, dans l'apparence. Mais c'est moi qui crée ça. Donc, quel instrument de travail je me suis créé pour justement dire, mais je prends la pleine responsabilité de mon expérience, dont j'ai créé cette situation, avec la violence qui me semble venir de l'autre, qu'est-ce que j'en fais? Alors, je commençais, ah ben, ça ne me plaît pas. Bon, ok, très bien. Oui, bien sûr, ça ne me plaît pas. La violence, ça ne me plaît pas du tout, c'est normal. Donc, qu'est-ce que je fais? Je demande de l'aide. J'ai créé ça, je n'ai pas envie, et pourtant je l'ai créé. Donc, il y a bien une raison. Et donc, je demande à l'esprit de m'aider. Je dis, je change ma perception. Aide-moi à voir. Par-dessus tout, je veux voir. Par-dessus tout, je veux voir les choses différemment. Ça, c'est les premières leçons du cours. Above all else, par-dessous tout. Avant tout, je veux voir. Donc, je clarifie mon intention. Donc là, j'ai affaire à un grand défi, parce que j'ai une situation de couple qui m'est insupportable avec de la violence. Ah, ben, je m'en occupe. Et donc, je demande à l'esprit de m'aider. Aide-moi, je veux voir différemment. Tout à l'heure, je citais une autre leçon du cours qui dit « Je pourrais voir la paix au lieu de cela. » Donc, quand je vois cette violence qui semble venir de mon partenaire, ou de ma partenaire, je ne sais pas, dans le cas, hein, je voudrais voir, je pourrais voir la paix au lieu de cela. Je ne vois pas la paix. Pour le moment, ça me paraît difficile. Je demande à l'esprit de m'aider. Et parce que ma volonté, c'est l'harmonie, ainsi que pour l'autre, pour tout le monde. Je veux être heureux, c'est normal, comme tout le monde. Donc, je ne vois pas clair. Et je me suis créé cette situation exprès. Ben autant rentrer dedans à fond et aimer, c'est-à-dire l'accueillir. L'illusion du risque en amour. Donc je sens, ben il faut que je fasse des stratégies, non, j'arrête mes stratégies. Je prends la pleine responsabilité de mon expérience que j'ai créée avec cette violence dans ce couple. Waouh! Et je me dis, bon, ok. Je fais silence. Je prends mon temps. Je demande de l'aide. Là, je demande de l'aide. Et qu'est-ce que je fais quand je demande de l'aide? Eh bien, en fait, sans me rendre compte, j'arrête de compter sur mes propres forces. Parce que si j'essaye toujours de faire des stratégies, ça va jamais marcher à terme. Parce que mon conjoint ou ma compagne, on ne sait rien qui c'est là, est là pour m'aider à me libérer. En fait, c'est un super cadeau, mais ça me paraît l'enfer peut-être. C'est vrai, je nie pas ça. Mais derrière, c'est un cadeau. Alors, j'ai envie de le voir. Alors, je demande de l'aide et je dis « montre-moi ». Je te laisse faire. Voilà. Alors, ça demande, évidemment, ça semble prendre un risque, mais en fait, c'est ça qui m'a sauvé. Voilà. Ça demande de la confiance, évidemment. Merci beaucoup. Et merci pour la question. Question suivante de Véronique qui nous dit « Bonsoir, peut-on accepter le désir de l'autre d'aller voir ailleurs? Est-ce respecter le souhait de l'autre? Et dois-je faire un travail de lâcher prise et d'acceptation dans un pur amour ?» Il n'y a jamais une invitation à faire quelque chose de particulier, c'est-à-dire à agir dans la forme. Donc, c'est une question de guidance en l'instant. Si j'ai envie de dire à l'autre quelque chose, ben, je lui dis. Bon. À long terme, à terme, on va s'apercevoir qu'effectivement, il y a une invitation à tout accueillir. Donc, ne pas chercher à changer l'autre. Et on peut lui dire aussi, écoute, c'est mes affaires, ça ne me plaît pas que tu ailles voir ailleurs, je sais que c'est mon problème, c'est mon problème, je te le dis parce que ça m'est pas agréable et je sens que te le dire. Mais, profondément, tu fais ce que tu veux. Mais on va voir à ce moment-là. Et encore, là, je viens déjà de donner une stratégie pour savoir quoi dire. Je ne sais pas ce que je vais dire. Ce qui est important, c'est mon état d'esprit. C'est de dire, bon, ça ne me plaît pas, pourquoi ça ne me plaît pas? Ah, ça devient intéressant. Donc, toujours de revenir à moi. Donc, j'ai créé cette situation où mon partenaire
partenaire ou ma partenaire semble aller voir ailleurs, très bien, ou avoir le désir, très bien. D'ailleurs, le désir, on rencontre un homme, une femme qui vous plaît, ça peut arriver à tout le monde. Pour ça, hein, c'est la moindre des choses déjà d'accueillir ça et de dire, bah, c'est normal. C'est normal, mon chéri, ma chérie, tu as un sexe, etc. Si tout d'un coup, il y a une personne, parce qu'il y a des attirances, ça fait normal qu'il puisse être attiré temporairement par une telle ou telle personne. C'est ce qu'on en fait qui est important. Mais qu'on soit attiré, c'est fait exprès par l'esprit, de toute façon. Déjà pour commencer. Donc, si mon partenaire ou ma partenaire va voir ailleurs, il est en fait attiré par l'esprit, parce que c'est l'esprit qui fait toutes les circonstances. Donc, quelque part, c'est fait exprès. Oui, c'est fait exprès. C'est fait exprès pour moi. Parce que c'est toujours pour moi. Moi, pas pour l'autre. Enfin, pour l'autre, oui, mais ce n'est pas mon affaire. Donc, je m'occupe de moi. Ah, bon. Alors, ça ne me plaît pas. Pourquoi ? Ben, parce que quoi ? Ben, parce que je le veux pour moi. Tiens. Ah oui, donc je veux le prendre, je veux le posséder. Ah oui. Et il est libre ou il n'est pas libre ? Oui, mais il est libre, mais on a... Il est libre ou il n'est pas libre ? Qu'est-ce que c'est que l'amour ? Ah oui. Ah, mais dis donc, l'amour, Sylvain, c'est beaucoup quand même. Hein. Mais il fait vraiment une ouverture totale. Oui, oui. Oui, absolument. C'est total, il n'y a pas de concession. L'illusion du risque en amour, c'est qu'il n'y a pas de risque. Mais sans y avoir un risque, alors, oui, mais un risque pourquoi ? Pour qui ? Pour le petit personnage que tu crois être. Mais en fait, ton âme, elle veut percer ça, elle veut changer ça. Elle veut que tu arrives vraiment à la paix. Et donc, ton compagnon, ta compagne qui va aller voir ailleurs, c'est fait exprès pour te libérer. Dès que ça semble, au départ, te poser des problèmes, c'est vrai. C'est pas nier ça. Donc, je demande à voir différemment. Par-dessus tout, je veux voir les choses différemment. Je pourrais voir la paix au lieu de cela. Donc, je respire et j'accueille le fait que je sens que mon compagnon ou ma compagne cherche à y voir ailleurs ou va voir ailleurs. Très bien. J'accueille le fait dans l'instant présent. C'est ça l'amour, c'est accueillir. Oui, mais ça me fait mal, oui, ça me fait mal, d'accord. Ça me fait mal. Mais je m'occupe de moi. Pourquoi ça me fait mal ? Ah, je vais avoir des réponses. Parce que je regarde là où il faut regarder. C'est-à-dire en moi et pas à l'extérieur. Pas sur ce que je vais lui dire ou ce que je vais faire à l'extérieur, avec lui ou avec elle. Je m'occupe de moi. Je n'ai pas à me soucier de ce que je vais dire ni de ce que je vais faire, car celui qui m'a envoyé va me diriger. Voilà, je crois que c'est assez pour la question. C'est déjà énorme. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci Véronique. On arrive à la fin. Ça passe à une vitesse folle, surtout avec toi. Merci beaucoup pour le temps que tu passes avec nous à partager tout ça. Et merci à toutes les personnes qui sont venues pour poser des questions, parce que s'il n'y a pas de questions, il n'y a pas d'émission. Donc merci à vous tous, merci à vous toutes, et je te laisse le mot de la fin. Donc si tu as un message à faire passer, quelque chose, je te laisse dans l'énergie, vas-y. Bien, je vais reprendre le message que nous avons eu dimanche en fin de journée à Carcassonne, là, dans ce groupe où il y avait pas mal de monde. Il y en a certains qui sont là ce soir, où il y a la reconnaissance des guides qui sont là et qui ont la joie de nous aider. Voilà. Et donc, il y a d'abord un remerciement à vous, à Stéphane, et puis à chacun d'entre vous. Remerciement pour cette communion que nous avons, parce que ça aide tout le monde, y compris moi, parce que moi, je suis aussi dedans. Donc, j'absorbe énormément de choses. Donc, tout, si par exemple, vous me sentez fatigué, ou un peu las, ou ça peut arriver, essayez de me voir dans la lumière. C'est dit, mais non, Stéphane va très bien. Tout va bien, de voir vraiment qui nous sommes, de voir vraiment que tout va bien, parce que c'est là que ça se passe. Tout va bien pour tout le monde. C'est ça le message de la fin, c'est tout va bien, tout va vrai, tout va bien, tout est pris en charge. Quelque part, le jeu est déjà terminé, dans une joie pas possible. Donc voilà, donc merci à vous tous, merci à nos guides, et à très bientôt. À très bientôt.